Bienvenue à tous sur la chaîne Projet du Maroc. Aujourd'hui, le 18 décembre 2023, nous sommes ravis de partager avec vous une nouvelle économique importante qui marque une étape significative dans les relations sino-marocaines. Selon Maroc Intelligence, le groupe chinois Shangyuan, un acteur majeur dans le secteur des matériaux de batterie, a annoncé son projet d'ouverture d'une usine de production de matériaux en acier inoxydable au Maroc. Ce développement est un jalon crucial pour l'économie marocaine, soulignant l'attrait grandissant du pays pour les investisseurs internationaux, en particulier chinois. Shangyuan, connu pour son expertise et son innovation dans l'industrie des matériaux, a choisi le Maroc comme un hub stratégique pour s'approcher du marché européen. L'usine, dont la mise en service est prévue dans 3 à 4 ans, représente un investissement considérable de 30 millions de dollars. Ce projet ne se limite pas à la construction d'une usine, il symbolise une porte ouverte vers de nouvelles opportunités économiques et une collaboration renforcée entre le Maroc et la Chine. Ce projet promet de stimuler l'économie locale par la création d'emplois et le développement de compétences techniques. Ensuite, il place le Maroc sur la carte comme un acteur clé dans la chaîne de valeur de l'acier inoxydable, un matériau crucial dans de nombreux secteurs industriels. Enfin, ce projet renforce la position du Maroc en tant que pont entre l'Afrique et l'Europe, attirant ainsi plus d'investissements internationaux. Pour conclure, cet investissement de Shangyuan au Maroc est un exemple lumineux de la dynamique économique positive que connaît le pays, ouvrant la voie à de futures collaborations et innovations. Merci de nous avoir suivis sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous. Vos opinions sont précieuses pour enrichir nos discussions.